Et salut tout le monde les amis, c'est PleurGamer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 36 de notre aventure sur SAO, Last Recollection. C'est parti les gars, 36ème vidéo. Aujourd'hui les gars, bah écoutez, épisode, alors pas spécial, hein, c'est un épisode encore une fois, on va faire une nouvelle quête d'épisode. Mais avant toute chose, n'hésitez pas les gars à mettre un petit j'aime, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire. Ça soutiendra énormément la vidéo et la chaîne, je compte sur vous les gars, merci pour le soutien. N'hésitez pas aussi à follow Twitch et TikTok, hein, ça ferait super plaisir. Et du coup, nous sommes partis, let's go. Donc on va faire aujourd'hui Rogu. Voilà, les ennuis de Rogu. Personnage qui est apparu dans Lycoris, dans les DLC de Lycoris. Donc du coup, en fait, c'est le seul personnage qui malheureusement je ne connais pas. Étant donné que je n'ai pas fait les DLC de Lycoris, je pense me rattraper un jour et les faire. Mais peut-être après ce let's play. Enfin du moins... plus tard, mais voilà, donc du coup on va voir un peu ce que vaut Rogu, donc du coup il est possible qu'il y ait des rêves que je n'ai pas. Bref, let's go. C'est parti. Voyons voir. Eh, hey, ce ne serait pas Rogu. Ouais. On dirait qu'il se passe quelque chose. Il est entouré de filles. Ah bon? Ah, je ne peux rien faire si vous me demandez tout en même temps. Pourquoi ça? Je suis tellement curieuse. Allez, tu peux nous le dire, s'il te plaît. Yuistrea? Putain, Rogu, il veut se faire Yuistrea? Putain, Rogu, il pique le harem de Kirito? Comment es-tu devenu si proche d'Alice? Raconte-nous tout. Pourquoi tu peux l'appeler Ali? On veut savoir. Je ne sais pas, ça s'est fait tout seul. Hein? Ah ouais, ils sont à l'affût au cas où si... Au cas où si Rogu, il a une touche avec... avec Alice, mais pas touche, c'est EGO. Rogu, sois pas si méchant. Ouais, on a tenté de lui demander, mais elle n'a rien voulu nous dire. Ah oui. Ok, je vais vous le dire. Mais d'abord, écartez-vous juste de 3 Kitos. Au début, je l'appelais juste Alice, mais ça s'est transformé en Ali. Je ne suis pas convaincu. Je crois que tu nous caches autre chose. Totalement. Votre relation semble bien trop naturelle pour cette réponse. Ouf. Oh, allez, lâchez-moi un peu. Je viens de me souvenir que j'ai un truc à faire. A plus. Ah, le bâtard, il fuit. Eh, hey, ne pars pas comme ça, attends. Allez, ne nous laisse pas en plan. Aïe. Si ça le rend si timide, il ne doit vraiment pas le pouvoir le dire. Kirito, tu as un moment? Merde, j'ai pas reconnu la voix. Bah c'est Alice. Oh là là, c'est Alice, let's go. Alice, je ne t'avais pas vu. Oui, moi aussi, je voulais voir ce qui allait se passer. Avec Rogu? Oui, malgré toute son affection pour moi, il continue d'être distant avec les femmes. Tu saurais comment aider Rogu à mieux s'entendre avec les femmes? Voyons voir. Pourquoi cette question? Je ne suis pas un expert en matière de femmes. LOL. Ouais, bon, Kirito, tu vas pas nous la faire. Hein. T'as un peu quand même un harem. Hein. T'as un peu quand même 20 filles qui tournent autour de toi. Hein. Mais voilà, fais la veuve, vas-y. Et si on organisait un jeu entre les filles et lui? Un jeu? Ouais, jouer ensemble les aiderait à créer des liens, tu vois. C'est aussi simple que ça, t'es pas un enfant. En quelque sorte, si, je pourrais t'apprendre un jeu d'enfant de mon monde. Très bien, explique-moi. Il va lui apprendre quoi, le twister? Imagine, le pire bail. Ça serait si drôle, je signe. Je signe pour voir un truc aussi drôle. Ça serait n'importe quoi. Nice. Alors, nous avons... Sinon. Ok, j'allais dire, qu'est-ce que c'est que ce random?
Ah, les ennuis de Rogue 2. Ok, il est là-bas. Les ennuis de Rogue. Rogue, du coup, qui veut s'entendre avec les femmes. Ok. Ok, ok. Et du coup, c'est vrai que ça me permet pas trop de... Ça me permet d'apprécier moins, étant donné que je ne le connais pas trop, Rogue, malheureusement. Mais bon, il faut le faire. C'est pas grave. C'est pas grave. Gémissement... Ah, je sais pas comment faire un gémissement, en vrai. Pourquoi il y a autant de filles? Ah bah ça, mec, si tu savais... On a contacté des gens qui voulaient te connaître. C'était inévitable. Eh, tu devrais t'inscrire aussi. Toutes ces filles me rendent trop nerveux. Pourquoi serais-tu nerveux? Elles veulent toutes être tes amies, fonce. Quoi? Quoi? J'avoue. Et là, tu vois Kirito. Là, ce que Kirito devrait faire. Il devrait mettre son épaule, tu vois, sur Rogu, lui dire... Attends, mon ref. T'es de notre côté ou... Attends. On va jouer aux chaises musicales. Ah, je m'en doutais que c'était ça. Putain, c'est con, je l'ai pas dit, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est con, je l'ai pas dit alors que j'y pensais tellement aux chaises musicales. Ça nous aidera à créer des liens. D'accord. J'ai jamais joué aux chaises musicales. Je sais comment y jouer, mais c'est aussi ma première fois. Ah bon ? La dernière fois que j'y ai joué, j'étais toute petite. Ah ouais, c'est pas ce genre de jeu que tu joues tous les jours. Hein. On tourne autour de l'échelle jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un joueur, c'est ça? Putain, ouais, ça va faire une belle partie, ils sont moins 20, c'est incroyable. Ça paraît plutôt simple, c'est une sorte d'entraînement. Eh bien, tout le monde y jouait, donc ça doit être une sorte de jeu. Quand la musique, le rythme s'arrête, on s'assoit sur la chaise la plus proche. D'accord, même si on perd le premier tour, on doit rester pour le suivant? Non. Exact. Ouais, enfin, t'observes quoi. Alice a trouvé un moyen de s'assurer que Rogue ne perdrait pas exprès. Ah, d'accord, elle a modifié. Alors commençons, Kirito, si tu veux bien mettre le rythme pour nous. Pas de soucis. Bon, tout ce que je dois faire, c'est rester près des chaises. On tourne dans le même sens autour des chaises, comme ça? Oui, c'est ça, parfait. Attends, attention à ne pas avoir le temps de lui. Je pense qu'ils sont prêts. Ça s'est arrêté! J'ai une chaise! Il n'y a aucun avertissement? C'est trop marrant, on n'a pas trouvé de chaise. Enfin, elle dit c'est trop marrant. Bizarre ça. Moi j'ai réagi trop lentement. Aïe. Première. Oh non. Pardon si je n'avais pas pris la dernière chaise. Inutile de t'excuser, c'est le jeu. Coup dur pour première. Première autre chat. Ne t'inquiète pas, première, je te vengerai. La venger? Tu les gères pas un peu? J'apprécie, mais je préfère qu'on s'amuse tous, je regarderai ici. C'est plus dur que ça en a l'air. C'est vraiment un jeu d'enfant du monde de Kirito? De Kito, pardon. Allez, on enlève deux chaises par manche et Kirito va battre des mains plus vite. Vite? Eh oui. Vraiment? Putain. Ralentis, Kito! Ça va trop vite! Y'en a, ils vont se casser la gueule vu le bruit. Oh zut, j'étais si près du but! Ce jeu est trop dur! Il fait faire de l'exercice ce jeu. Il est très drôle ce jeu. Le jeu continua, Silica, Medina, Alice et Yuki éliminés, il n'en restait que 3. Yui, Strea et Rogu. C'est la dernière bataille. Je ferai de mon mieux. Ah, je le sens mal. Très a une bonne défense, mais la taille de Yui lui donne l'avantage en attaque. Ah, tu m'étonnes. Yui, elle peut se refiler comme ça. Tout ce jeu avec ses dernières chaises. Donnez-moi un bon combat prêt. Oui, plus près que jamais. Allez, bas la mesure. Ton Sam. Je vais y arriver. Il n'en restera qu'un. Je vais gagner et me rapprocher de Roku. La victoire est si proche. Je dois juste m'asseoir, mais pour y arriver. Tom Cola, ses filles. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant! Je perdrai pas! C'est parti!
Les trois vont se coller. Oh la CG de dingue. Aïe 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 aïe, la CG de ouf. Magnifique en vrai la CG. Hein. Franchement, elle est pas mal. Hein. Yui, Strea et Rogu, je m'y attendais pas. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Qu'est-ce qu'on fait? Difficile à dire. Ouais, normalement, dans ce cas-là, c'est le premier qui s'assoit qui gagne. Qui a gagné? Kito, là, il faut la voir. Là. Je ne suis pas sûr. Là, attention, VAR, qui va gagner, les gars? Attention. Moi, je colle. Yui, il va gagner. Parce que Kirito, c'est un père poule. Tu verras, c'est sûr. Ne bougez pas pendant qu'on délibère. Attention, la VAR. Attends, là. C'est si indécis. Mais. Qu'est-ce qu'on fait, Kirito? Je ne sais pas, c'est serré. Ah, j'avoue, putain, personne a filmé, merde. Décidez vite, je ne peux pas rester assis comme ça. Elles sont trop proches. Je n'ai jamais été aussi proche de toi, Rogu. Moi non plus. Aïe, je commence à avoir mal au derrière. Oh quoi? Arrête de bouger, Rogu. Désolé. Oh non, je tombe. Pardon, je ne voulais pas. Oh, il se fait combo, frère. Kirito, je crois que Rogu, on a eu assez. Réessayez avec ces trois-là, réessayez avec tout le monde. Hmm. Ah, putain, ça a l'air un choix qui a l'air de changer, ça. Non, en vrai, la logique veut de réessayer avec ces trois-là. Hein. Je pense qu'on devrait rejouer cette manche. Je vois, c'est une option. Ali, comment as-tu pu me faire ça? Vu que l'objectif de ce jeu est de créer des liens, c'est une bonne solution. Oh non, Kito, fais quelque chose. Ne résiste pas au goût, en plus tout le monde s'amuse. Ok, tire-moi juste de cette chaise. J'ai enfin pu me rapprocher de toi au goût. Non oui, ça n'a pas été simple. Comment ça? Tu gardes toujours tes distances et on ne se parle pas souvent non plus. Il n'y a pas que Yui et moi, tout le monde ici voudrait mieux te connaître. Vraiment? Bien entendu. On dirait que tu es le dernier à le remarquer. Je me suis amusé même si j'ai perdu d'entrée. Je ferai mieux la prochaine fois. Ce jeu est un bon exercice pour viser les réflexes et muscler le bas du corps. C'était plutôt amusant de courir avec tout le monde. Vous trouvez ça amusant? Tu ne t'es pas amusé? Eh ben, je ne me suis pas amusé. Tant mieux, parce que nous, on a immensément apprécié. Je pensais que je gagnerais. Tant pis, alors, qui a gagné? Peu importe qui a gagné. Ah, donc finalement, on saura pas. Merde. Quel dommage. Quel dommage. Et ok. Et du coup, on ne gagne rien pour Rogu. Pas de tenue, rien. Ok. Ok, bah c'était pas mal. Hein. Franchement, ça va. C'était sympa. C'était intéressant. C'était intéressant. Bah, comme attendu, hein, c'était pas l'histoire du siècle, mais c'était sympa. J'avoue, c'était sympa. Alors on va regarder, est-ce qu'il y a une autre quête de Rogu? En vrai, ça, là la question, est-ce qu'il y a une autre quête de Rogu qui s'active? Parce qu'en vrai, à la manière de Sinon, tu vois, peut-être. Peut-être, même si je doute, mais on sait jamais. Moi je pense que s'il y a une quête qui va s'activer, c'est peut-être celle-là d'Alice, tu vois. Celle, une nouvelle d'Alice, ça, il y a moyen d'en avoir deux. Trésor, ouais, oui, on offre, non. Je suis avec toi. Le labyrinthe, sombre curiosité, l'énigme de feu. Ok, bah a priori non. Ok, bah c'était la quête de Rogu. Voilà, ouais, assez curieux de savoir pourquoi il a peur des femmes, mais bon, ça j'imagine que ça doit être absolument dit dans le DLC de Lycoris. Mais voilà, vu que malheureusement je ne l'ai pas fait. Mais vous inquiétez pas, comme je l'ai dit plus tôt. En vrai, il y a de grandes chances que genre je fasse après là tous les dialogues qu'on a fait dans Last Recollection. Il y a de grandes chances que je fasse le Season Pass de Last Recollection et que ensuite je rebascule peut-être sur Lycoris. Peut-être. Mais on verra bien, c'est dans longtemps de toute façon, donc on aura le temps d'en reparler. Mais voilà, en tout cas, bah, n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous plairait. Mais voilà, en tout cas, on va s'arrêter là, les gars. Merci à regarder cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit j'aime, le petit abonnement, le petit commentaire sur YouTube. N'hésitez pas, et aussi n'hésitez pas à venir sur Twitch et TikTok, hein, ça ferait plaisir. Allez, ciao ciao les gars, bye tout le monde, ciao ciao.
one shot and then I grab it.